Écoute ma très bien, je voudrais te parler de quelque chose de très important. Je l'ai reçu de mon grand maître, du Christ Jésus, mon Seigneur et mon Sauveur. Il s'agit de la gestion des informations. Il a dit, Jésus, prenez garde à ce que vous entendez. Eh bien, il faut faire très attention. La gestion des informations est capitale. D'ailleurs, on ne peut pas réussir sa vie si on n'a pas appris à sélectionner ce qu'on écoute. Il y a deux types majeurs d'informations qui vont vous parvenir quand vous êtes quelqu'un qui voudrait réussir dans la vie. Premièrement, la louange des hommes. C'est-à-dire les atalakous, les griots tout autour qui vont vous faire des éloges, qui vont vous apprécier, qui vont célébrer qui vous êtes. Eh bien, je vous montrerai rapidement la subtilité nocive, justement, des louanges, de ce type d'informations que vous recevez. Et des deux, nous avons les critiques, les murmures, les ragots, les médisances qui sont faites à votre égard. Comment est-ce que tu gères ce genre d'informations? Ça va déterminer ton niveau de productivité dans la vie. Et si tu vas être endurant pendant longtemps ou pas. Beaucoup de personnes commencent et puis pouf, après, comme un feu de paille, elle s'éteint. Mais pourquoi est-ce que ces choses arrivent? Vous allez découvrir. Quand les gens commencent à parler en mal de vous, à dire de mauvaises choses, vous ne devez jamais oublier que les gens ne disent pas de mauvaises choses de vous parce que vous êtes forcément mauvais. Non, elles le disent parce qu'elles sont sûrement mauvaises. Pourquoi? Parce que les belles âmes, les belles personnes ne se plaisent pas à dire des mauvaises choses d'autrui. Non. Quand elles n'ont rien de bon à dire, elles se taisent. Dans les personnes qui passent sur leur temps à raconter des mauvaises choses sur autrui sont sûrement en train de vous donner un indicateur crédible de leur nocivité, du fait qu'elles ne sont pas de bonnes personnes, de personnes qui ne sont pas recommandables. Je t'encourage, éloigne-toi de telles personnes. Et puis, si on parle en mal de toi, pourquoi est-ce que tu vas te laisser abattre? Je vois beaucoup de personnes se laisser abattre. Tu commences à avoir de la tension. Tu ne dors pas bien la nuit. Tu perds ton sommeil. Tu n'as même pas d'appétit. Tu commences à ronronner, à te demander, mais pourquoi est-ce qu'on a pu dire telle chose de moi? Eh bien, écoute-moi attentivement. Jésus a dit, malheur à vous lorsque les gens ne diront que de bien de vous. Ça veut dire qu'on dira aussi du mal. Donc, ne te laisse pas ébranler, ne te laisse pas perturber. Ça fait partie du ton, de l'eau d'un leader. On doit parler de toi en mal. C'est normal. Si on parle en mal de Dieu, qu'en est-il de toi? On va parler en mal. Il faut simplement savoir ne pas être atteint par le mal qu'on raconte. Ne sois pas amer. Non. Ne sois pas amer par ça. Si tu deviens amer, tu perds le sens de la révélation, de la créativité, de l'innovation, et tu vas commencer à être réactif. Donc tu ne seras plus quelqu'un de proactif. Pourquoi? Parce que tu vas toujours tout faire pour répondre, soit consciemment, soit inconsciemment aux personnes qui t'ont attaqué. Et là, ton impact va être fragilisé. Donc, ne te laisse pas prendre à ce jeu-là. Continue d'avancer, progresse. Je te garantis, ces personnes qui aujourd'hui sont en train de dire du mal de toi, elles sont en train de t'apprécier en fait. C'est une autre manière de dire qu'elle remarque ton existence. Parce que tu fais partie de la catégorie des acteurs. Les acteurs, ce sont ceux qui font des choses. Et ceux qui parlent, ce sont les spectateurs. Les spectateurs payent un billet pour venir voir jouer les acteurs. Et les acteurs sont payés et recommandés, ont des médailles parce qu'elles ont fait quelque chose de remarquable en société. Maintenant, ce qui concerne les louanges. La louange a ceci de terrible. Hein? Les éloges que les gens te font, voyez, elles ont tendance à te donner de perdre ta simplicité, de tomber dans l'orgueil, de ne plus être quelqu'un d'humble. J'ai vu beaucoup de leaders tomber dans l'orgueil à cause des louanges, des griots qu'il y a tout autour. Il faut faire attention. Il faut toujours, et je dis bien toujours, donner la gloire à Dieu pour ce qu'on réussit à faire sous le soleil. Tout n'est que grâce. Tout n'est que grâce. Tout n'est que grâce. Il faut savoir rendre toute la gloire à Dieu. Et puis, à la fin, quand on a accompli tout ce qu'on a accompli, savoir rester seul devant Dieu, lui dire merci Seigneur, car je reconnais que ce qui a été accompli là, ce n'est pas mon œuvre, c'est ton œuvre. De cette manière, vous gardez votre cœur de la corruption et vous continuerez toujours à progresser, à avoir un appétit justement
pour le cahier de charge à venir. Parce qu'en fait, une fois que tu as terminé une tâche, ça fait partie du passé. Il y a une nouvelle tâche qui reste encore à accomplir. Donc, si tu t'arrêtes aux éloges, eh bien, tu vas te rendre compte que tes témoignages vont commencer à vieillir. Il n'y aura pas de témoignages nouveaux, simplement parce que tu t'es arrêté sur les éloges des hommes. Fais attention, il faut savoir raison garder. Que Dieu te bénisse très abondamment, que sa grâce te soit encore intensifiée, que la protection de Dieu soit avec toi sur tes affaires, sur ta famille et sur tout ce qui est à toi. En fait, on se dit à très bientôt, à la semaine prochaine, pour te servir de la part du Seigneur, Raoul Wafo.